suis libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun gage, moi, toutes mes conquêtes ne sont qu'un jeu. J'ai donc essayé de me les mettre dans l'impasse. À cette heure de babou, je m'en sors de ces oprah. Oh, tiens, tiens. Il y a une nouvelle vidéo de Sean Bryden. Oh, cool, tiens. Je vais voir ce que ça donne. Allez, on y va. Tu es talentueux. Je t'aime énormément. Je t'ai dirigé, je t'ai élevé. Tu m'as élevé. On est comme ça. Mais je ne veux plus. J'ai mes raisons. Moi, la chaîne TV, c'est le partage. Il y a des gens moins drôles, il y a des personnes plus drôles, et ainsi de suite. Mais c'est le partage. Je veux voir tout le monde sur ma chaîne. Attends, mais non, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais non. Ok, bien. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 mois. 3 mois. Trois mois. Oui, 3 mois de cela. Cette vidéo me laissa dubitatif. Et aujourd'hui, je me demande encore, mais qu'est-ce que, pourquoi, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, pour y répondre, je vais mener ma petite enquête. Tout d'abord, revenons à l'essentiel. Sean Bryden. Mais qui es-tu? Maître de la chaîne TV, aux abdos qui affolent la gent féminine, aux lunettes américaines, au nez majestueux. Sean Bryden, artiste gabonais et musicien accompli, est considéré comme l'un des artistes gabonais les plus suivis sur les réseaux sociaux, popularité qui lui vient des thèmes abordés dans ses chansons. La foi, Dieu, l'amour, l'espoir, etc. Mais surtout et depuis un certain temps, grâce à la chaîne TV. Eh bien, Sean Bryden, de son vrai nom Michel Bryden, dont le père est un professeur sociologue à l'université Omar Bongo, et la mère, docteur et également professeur notamment à la faculté de médecine en chimie minérale et des solutions à Libreville, serait d'origine fan ou camerounaise selon cet internaute. Passionné de musique depuis sa tendre enfance, il s'est donné corps et âme dans le but de réussir afin de répandre la paix dans ce monde si abject et. Je crois que je vais sauter cette partie et en venir au fait. Sa popularité prend une toute nouvelle tournure lors du lancement d'un nouveau concept sur sa page Facebook, ayant pour but d'être encore plus proche de ses fans en organisant des challenges, des concours et bien d'autres. C'est ainsi qu'est née la chaîne TV. Au fur et à mesure, ce concept va devenir, comme il aime le mentionner sur sa page Facebook, une chaîne où ses abonnés Facebook et plus récemment YouTube pourront passer du temps en commentant des rubriques variées et visionner des vidéos toujours dans la bonne humeur, toutes plus drôles les unes que les autres. Au milieu de toute cette bonne humeur et au regard de la demande de ses abonnés de plus en plus importante quant au contenu de sa chaîne, Sean Bryden va faire naître aux yeux de tous sa star, sa poule aux œufs d'or, sa muse, son binôme, son acolyte, son. Il va alors signer Yaya Vicenzo. Ainsi, Yaya Vich, aka Ricky Balboa de son vrai nom, Kiemi Alban Steve Constant, deviendra le principal acteur de la chaîne TV. L'arrivée de Yaya Vich marquera un tournant considérable dans le genre humoristique gabonais, ce qui permettra à la page de Sean Bryden, aka à la Ciné TV, d'accroître son audience, visant même l'international, attirant les sponsors les plus prestigieux et permettra même d'attirer d'autres humoristes sur la Ciné TV. Tiens, tiens, c'est peut-être là que commence le hic de l'affaire. En effet, la chaîne TV signera plein de nouveaux artistes dans le but de réunir divers talents venus de divers horizons. Bien que Yaya Vich fera quelques vidéos avec les nouveaux arrivants, la rumeur voudrait qu'il aurait décidé de mettre un terme au contrat qui le lierait à Sean Bryden et à sa Ciné TV. Ainsi, Yaya Vich verrait d'un mauvais œil que les bénéfices que rapporte la chaîne pourraient ne plus être assez conséquents compte tenu de tous ces talents réunis. Donc, au grand étonnement, il ne fut plus diffusé sur la chaîne TV. Il ne fut plus diffusé sans la moindre annonce ou explication, alors qu'ils venaient de faire un voyage en France, tous les deux, ou peut-être pas tous les deux, ou j'en sais rien. Et que tout avait l'air de bien s'y passer, jusqu'à l'apparition de cette vidéo qui m'a éclaté au sol. Claqué? Sean Bryden s'adresserait à son ex-acolyte et précise, selon ses dires, Frangin, je ne veux plus travailler avec toi. Je t'ai montré comment gagner de l'argent. Et être indépendant et se démarquer du lot, tu as préféré prendre une route plus courte et plus facile. Bon sang,
on aurait dit un discours à la Homère. Alors, plusieurs théories seraient de la partie pour expliquer cette cassure qui aurait mis un terme à la collaboration gabonaise la plus mythique et la plus rafraîchissante de toute l'histoire gabonaise. Alors, est-ce bien, est-ce judicieux de casser une si belle collaboration volcanique, explosive, jouissive, irrévérencieuse, excitante, révolutionnaire, abracadabrante, super... C'est bon, j'arrête, promis. Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, en regardant la chaîne TV, on découvrira une nouvelle vidéo et on verra les deux bad boys ensemble nous rire au visage et nous comprendrons tous que ce sont des génies. Omiga, 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 et...